Bütün hafta boyunca sıkı çalıştım. Raymond gelip mektubu yolladığını söyledi. Emanuel ile ilk defa sinemaya gitti. Perdede olup bitenleri her zamanki gibi anlamadım. Böyle olunca benim anlatmam gerekti. Dün cumartesiydi. Önceden kararlaştırdığımız gibi Marie geldi. Onu çok arzuladım. Çünkü kırmızı beyaz çizgili bir elbise. Deri sandaletler giymişti. Elbisenin altından taş gibi memeleri belli oluyor. Güneşin verdiği esmerlik yüzünden çehresi çiçek gibi duruyor. Bir otobüse gidip Cezayir'den birkaç kilometre uzaktaki kayalar arasında sıkışmış, kara tarafından da sazdan da çevrilip bir plaja gittik. Saat 16 olduğu için güneş fazla sıcak değildi ama uzun ve tembel dalgalarıyla su ılıktı. Mari bana bir oyun öğretti. Yüzerken dalgaların doruklarından ağzına biraz su alıp bütün köpüğü ağzında topluyorsun. Sonra sırt üstü yatıp ağzındaki suyu gökyüzüne doğru fışkırtıyorsun. O zaman sanki ağzından köpüklü dantel çıkıyor, havada kayboluyor ya da ılık bir yağmur halinde yine yüzüne dökülüyor. Fakat aradan biraz geçince tuzun acılığı ağzımı yakmaya başladı. O sırada Mari yanıma geldi. Suyun içinde bana yapıştı. Dudaklarını dudaklarıma bastırdı. Dili dudaklarıma serinletiyordu. Bir süre dalgaların içinde yuvarlandık. Kumsalda giyindiğimiz sırada Mari bana bakıyordu. Gözleri parlıyordu. Ben de onu öptüm. Ondan sonra hiç konuşmadık. Onu kendime doğru çekip tuttum ve bir otobüs bulup şehre dönmek, evime gelmek, yatağıma atılmak için acele ettim. Penceremi açık bırakmıştım. Yaz gecesinde esmer vücutlarımın üzerinden akıp gidişini hissetmek çok hoştu. Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L'après-midi était beau, cependant le pavé était gras, les gens rares et pressés encore. C'était d'abord des familles allant en promenade, deux petits garçons en costume marin, la culotte au-dessous du genou, un peu empêtrés dans leurs vêtements raides, et une petite fille avec un gros nœud rose et des souliers noirs vernis. Derrière eux, une mère énorme en robe de soie marron et le père, un petit homme assez frêle que je connais de vue. Il avait un canotier, un nœud papillon et une canne à la main. En le voyant avec sa femme, j'ai compris pourquoi dans le quartier on disait de lui qu'il était distingué. Un peu plus tard passèrent les jeunes gens du faubourg, cheveux laqués et cravate rouge, le veston très cintré, avec une pochette brodée et des souliers à bout carré. J'ai pensé qu'ils allaient au cinéma du centre. C'était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort. Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur, mais sans éclat, au-dessus des ficus qui bordent la rue. Sur le trottoir en face, le marchand de tabac a sorti une chaise, l'a installée devant sa porte et l'a enfourchée en s'appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams tout à l'heure bondés étaient presque vides. Dans le petit café chez Pierrot, à côté du marchand de tabac, le garçon du marchand de tabac parce que je trouvais que c'était plus commode. J'ai fumé deux cigarettes, je suis rentré pour prendre un morceau de chocolat et je suis revenu manger à la fenêtre. Peu après, le ciel s'était assombri et j'ai cru que nous allions avoir un orage d'été. Il s'est découvert peu à peu cependant, mais le passage des nuées avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui l'a rendue plus sombre.
je suis resté longtemps à regarder le ciel. À 5 heures, des tramways sont arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur les marchepieds et rambardes. Les tramways suivants ont ramené les joueurs que j'ai reconnus à leurs petites valises. Ils hurlaient et chantaient à plein poumon que leur club ne périrait pas. Plusieurs m'ont fait des signes. L'un m'a même crié « On les a eus !» Et j'ai fait « Oui !» en secouant la tête. À partir de ce moment, les autos ont commencé à fuir. La journée a tourné encore un peu au-dessus des toits. Le ciel est devenu rougeâtre et avec le soir naissant, les rues se sont animées. Les promeneurs revenaient peu à peu. J'ai reconnu le monsieur distingué au milieu d'autres. Les enfants pleuraient ou se laissaient traîner. Presque aussitôt, les cinémas du quartier ont déversé dans la rue un flot de spectateurs. Parmi eux, les jeunes gens avaient des gestes plus décidés que d'habitude et j'ai pensé qu'ils avaient vu un film d'aventure. Ceux qui revenaient des cinémas de la ville arrivèrent un peu plus tard. Ils semblaient plus grands. Ils riaient encore, mais de temps en temps, ils paraissaient fatigués et songeurs. Ils sont restés dans la rue en allant et venant sur le trottoir d'en face. Les jeunes filles du quartier en cheveux, se tenaient par le bras, les jeunes gens s'étaient arrangés pour les croiser et ils lançaient des plaisanteries dont elles riaient en détournant la tête. Plusieurs d'entre elles que je connaissais m'ont fait des signes. Les lampes de la rue et j'ai senti mes yeux se fatiguer à regarder ainsi les trottoirs avec leur changement d'homme et de lumière. Les lampes faisaient luire le pavé mouillé. Et les tramways à intervalles réguliers mettaient leurs reflets sur les cheveux brillants, un sourire ou un bracelet d'argent. Peu après, avec des tramways plus rares et la nuit déjà noire au-dessus des arbres et des lampes, le quartier s'est vidé insensiblement, jusqu'à ce que le premier chat traverse lentement la rue de nouveau déserte. J'ai pensé alors qu'il fallait dîner. J'avais un peu mal au cou d'être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. Je suis descendu acheter du pain et des pâtes. J'ai fait ma cuisine et j'ai mangé debout. J'ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre, mais l'air défraîchit et j'ai eu un peu froid. J'ai fermé mes fenêtres et en revenant, j'ai vu dans la glace un bout de table où ma lampe à alcool voisinait avec des morceaux de pain. J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de tirer, que maman était maintenant enterrée, que j'allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n'y avait rien de changé.